Ravi de vous retrouver sur Arte pour un numéro exceptionnel du Dessous des cartes, puisque nous venons d'atterrir ici, à Taipei, la capitale de Taïwan, à presque 10 000 km de Paris et de Berlin, dans cette atmosphère paisible et tropicale. Taïwan, un territoire singulier qui a presque tout d'un État indépendant, un drapeau, une monnaie, une armée, mais qui n'a plus son siège aux Nations Unies et que Pékin revendique comme étant l'une de ses régions. Alors nous avons atterri ici dans un moment très particulier de l'histoire taïwanaise, car nous sommes en pleine campagne électorale. En janvier prochain, une élection présidentielle qui va se jouer principalement autour de la question de la relation Pékin-Taipei. La guerre aura-t-elle lieu? C'est la question que tous les Taïwanais ont en tête, particulièrement, bien sûr, depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Sortons nos cartes. Voici la Chine populaire, seconde puissance économique mondiale, 9,6 millions de kilomètres carrés, 1,43 milliard d'habitants. De l'autre côté de ce détroit de 160 km, Taïwan, 21e puissance économique mondiale, l'île compte 36 000 km carrés et 23,5 millions d'habitants. Certains des îlots taïwanais, comme Kinmen et Matsu, sont à moins de 10 km du continent. Le poids de Pékin est encore plus flagrant quand on regarde les budgets militaires respectifs, Chine 292 milliards de dollars, Taïwan 12,5 milliards seulement. Ou celui des armées, Chine 2 millions d'hommes, Taïwan seulement 169 000. Des navires de guerre, 350 contre 24, et des avions de combat, plus de 3 000 contre moins de 750. Ce décalage évident renforce d'autant la tension régionale que Pékin a déjà absorbé le Tibet en 1951, Hong Kong après 1997, Macao en 1999, et que Pékin ne cesse de renforcer sa pression sur les mers de Chine. Et pourtant, depuis 1949, Taïwan n'a cessé d'affirmer sa souveraineté et son identité. Depuis 1996, cette autre Chine est une démocratie exigeante et le seul pays d'Asie à avoir légalisé le mariage gay. Taïwan est même mieux classé que la France et l'Allemagne, 10e dans le Democracy Index. En 2016, Taïwan a élu une présidente intransigeante avec la Chine, Tsai Ing-wen, du Parti démocratique progressiste. Conséquence, Pékin a rompu toute relation politique avec cette île, à ses yeux trop libre, trop démocratique, trop insolente. Tigre asiatique, capitaliste comme la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour, Taïwan a un atout majeur dans son jeu. L'île produit près d'un quart des semi-conducteurs mondiaux, indispensables pour toutes nos technologies, smartphones, voitures électriques ou encore armements. Marcher dans Taipei, c'est découvrir une capitale entre influences chinoises, les scooters, les échoppes et japonaises. Taïwan, une petite Chine plus douce, qui rappelle sans cesse son attachement à la démocratie. Ici, une manifestation MeToo, là une autre pour les victimes de Tiananmen ou contre la violence du Parti communiste chinois. Sans oublier partout des drapeaux ukrainiens. Ici, l'invasion russe d'un État souverain et démocratique, l'Ukraine, renvoie à la menace sourde que fait peser en permanence Pékin sur Taïwan. Ce genre de panneau, qui indique où aller s'abriter en cas d'attaque, existe à tous les coins de rue. C'est dans cette ambiance qu'a démarré la campagne présidentielle pour l'élection de janvier. Voici le candidat William Lai, c'est le vice-président de Taïwan. Avec Tsai Ing-wen, l'actuelle présidente, ils ont défendu ensemble la souveraineté taïwanaise. Face à lui, le candidat du plus vieux parti taïwanais, le Kuomintang, connu pour favoriser les passerelles avec Pékin. Et deux autres candidats, dont le fondateur de Foxconn, géant de l'électronique. L'occasion pour nous de découvrir que la politique à Taïwan, elle se joue aussi dans ces temples de quartier où l'on demande aux dieux taoïstes d'aider les candidats. Bonjour,
Si tu veux la paix, prépare la guerre, semble dire le candidat William Lay en meeting. Une position que précise encore pour nous son porte-parole. We've increased defense budgets. We've reformed our conscription. We've reformed our reserves. We've introduced new capabilities as well as new tactics and strategies. That's number one. Number two, we have to internationalize the cross-strait scenario. If today it's just Taiwan with 23 million people versus China's 1.3 billion people, it becomes a very tough fight for us. But if we can stand together with a broader community of democracies, countries that share our values, I think that evens the playing field and provides us much more security as we think about our future. Vous iriez vous battre? We would never go to fight. I'll rephrase that. Nobody wants war. We don't want war. And we think the best way to achieve peace is to ensuring that Xi Jinping never wakes up one day and feels he has the capability to invade Taiwan. We think that's the best way to ensure the peace here. Personne ne veut la guerre, nous disent les candidats, et ce, quel que soit leur parti. À l'image d'un peuple taïwanais qui tient fermement à sa souveraineté et à sa démocratie, mais n'a pas l'esprit belliqueux. Un attachement à la paix qui fait partie de l'identité taïwanaise, laquelle évolue avec les années. Ainsi, la proportion de citoyens de l'île qui souhaitent une réunification rapide avec la Chine de Xi Jinping serait, d'après les sondages, en chute libre. Le lien avec la Chine continentale se distend. Cette Chine qui aime pourtant raconter une longue histoire commune avec Taïwan, mais qu'en est-il vraiment ? Depuis 2000 ans, Taïwan est marqué par les influences étrangères. Ainsi, il y a bien eu un lien avec la Chine, avec cette première exploration de l'île qui daterait de l'an 239, date que Pékin aime rappeler pour justifier ses revendications actuelles. Mais arrivent ensuite les Européens, portugais d'abord, venus de Macao au XVIe siècle, et qui appellent l'île Formosa, la belle île. Puis les Espagnols, et en 1642, les Hollandais, avec la Compagnie des Indes orientales, qui font venir des Chinois pour travailler le riz et le sucre. 1662, ils sont chassés par le général Koxinga, chef de guerre de l'armée Ming, venu avec 25 000 hommes et 1000 lettrés qui vont siniser l'île. Pour la première fois de l'histoire, une colonie occidentale est démantelée. L'île est ensuite gouvernée à distance par la province côtière du Fujian. Puis en 1895, la Chine perd Formose au profit du Japon. Tokyo va y développer les infrastructures et de nombreux liens économiques jusqu'en 1945. Certains Taïwanais collaborent avec l'occupant japonais, ce que les Chinois leur reprocheront toujours. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine récupère Taïwan. La Chine qui est alors dirigée par le nationaliste Chiang Kai-shek, chef du Kuomintang, en pleine guerre civile contre les communistes. 1949, Mao l'emporte et Chiang Kai-shek doit fuir à Taipei avec 1,3 million de réfugiés. Il y crée la République de Chine qui siège à l'ONU et rêve de reconquérir la Chine communiste encore isolée. Taipei signe un traité de défense mutuelle avec Washington qu'il appelle la Chine libre, malgré un régime très autoritaire. Mais en 1971, revirement, l'ONU reconnaît la Chine de Mao. Le président américain Nixon fait de même pour isoler l'URSS, acceptant de fait la souveraineté de principe de Pékin sur Taïwan. Afin de garantir la paix en Asie de l'Est, Pékin et Taipei s'entendront finalement sur le principe d'une seule Chine en 1992, principe qui fige le statu quo, ni indépendance de Taïwan, ni invasion par Pékin. «
C'est un lieu évidemment incontournable ici à Taipei, le mémorial de Chiang Kai-shek, gigantesque, immaculé et qui regarde vers la Chine continentale. Je vous rappelle que Chiang Kai-shek perdit la guerre civile contre les communistes de Mao et se réfugia ici. La construction de ce mausolée a démarré en 1976. Après sa mort, il a été inauguré en 1980. Mais c'est vrai que depuis le début du 21e siècle, les Taïwanais essaient de dissocier ce mémorial de la figure du dictateur Chiang Kai-shek pour au contraire, à travers lui, essayer de raconter comment Taïwan est devenue progressivement une démocratie exemplaire. Voici la présidence de la République, un bâtiment construit pendant la période de l'occupation japonaise. La présidente Tsai Ing-wen en partira en janvier, car la Constitution limite à 2 le nombre de mandats pour favoriser l'alternance. De quoi donner de grands espoirs au plus vieux parti taïwanais, le Kuomintang, le parti du nationaliste Chiang Kai-shek, lequel est devenu paradoxalement au fil des ans le parti qui défend le plus une ligne douce avec Pékin, favorisant les échanges économiques et politiques. Ça vous agace quand on présente le KMT comme le parti pro-chinois? I would say KMT is a party knows about China and know how to deal with China. When I say deal with China, it's to protect Taiwan's interests, just like the national leaders of our European friends, that they went to Beijing not to sell out their national interests, but protect their national interests. We are doing exactly the same. We have always maintained a communication line. Our party believes that refusing to talk to your adversary is not a smart strategy. And in order to deal with your opponent, in order to understand better of your future threat, you must maintain a communication line. We oppose Taiwan independence by nature. Conserver une ligne de communication, garder le lien, dealer quelque chose, ok, mais qu'est-ce qu'on deal avec la Chine d'un Xi Jinping qui dit « Taïwan est une région de la Chine » It was not Xi Jinping the first person to say that. Ever since the creation of the People's Republic in Beijing back in 1949, they have been saying that for over 70 years. But we survived and we democratized. My point is that our future, our destiny, is not defined by Xi Jinping. And in our long Chinese history, no emperor had ever been immortal, and no dynasty had ever been there forever. So this is a long race. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Xie xie. Xie xie. Merci. Thank you. C'est un peu la tour Eiffel des Taïwanais, la tour 101 que vous découvrez derrière moi. Elle a été construite en 2004 et jusqu'en 2008, c'était le plus haut gratte-ciel de la planète, conçu pour pouvoir résister à la fois aux séismes et aux typhons qui sont fréquents dans cette région. Au 33e et au 39e étage de cette tour, on trouve les bureaux des représentations françaises et allemandes. En clair, des ambassades qui ne disent pas leur nom. Et pour cause, Taïwan n'est pas reconnu par la communauté internationale et les sanctions de Pékin sont terribles pour qui a malgré tout des relations avec Taïwan. Taïwan entre reconnaissance et déreconnaissance. On voit ça tout de suite avec nos cartes. Depuis 1971, les efforts de Pékin pour saper l'influence de l'île rebelle n'ont jamais cessé. En 1949, une majorité d'États reconnaissait encore Taïwan. En 1971, il n'était plus que 68 et aujourd'hui, à peine 13, surtout des petits états insulaires comme Sainte-Lucie ou Tuvalu. En Afrique, il ne reste plus que l'Eswatini, après le retrait du Burkina Faso en 2018, et en Amérique du Sud, le Paraguay. Pour isoler Taïwan, la Chine, de plus en plus puissante à l'ONU, brandit la carotte et le bâton. Prenons l'exemple de l'Amérique du Sud. Afin d'intégrer le projet chinois des routes de la soie avec ses nombreux prêts et investissements, la République dominicaine, jadis fidèle alliée de Taipei et Salvador, ont ainsi dû cesser toute relation diplomatique avec Taïwan. À ce jour, 16 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont rejoint les routes de la soie.
Entre 2005 et 2018, Pékin a prêté 141 milliards de dollars aux pays d'Amérique latine. La Banque mondiale n'en a prêté que 99. Pour augmenter la pression sur Taïwan, il y a l'isolement diplomatique, mais il y a aussi et surtout la menace militaire. Ainsi, depuis 2021, les incursions chinoises dans l'espace aérien taïwanais sont fréquentes et les avions de combat de Pékin de plus en plus nombreux et sophistiqués. Parce que les experts savent qu'une invasion chinoise de l'île se jouerait d'abord dans le ciel, nous décidons de nous rendre sur une base de l'armée de l'air taïwanaise, la base de Hsinchu. Nous allons tenter de faire parler une armée particulièrement grande muette sur cette base, connue pour ses Mirage 2000, vendus par la France dans les années 90. Nous arrivons en pleine simulation d'un décollage d'urgence suite à une incursion chinoise dans l'espace aérien taïwanais. L'atmosphère ce jour-là est très particulière, car la veille, les télévisions chinoises et taïwanaises ont diffusé en boucle cette vidéo. Elle montre la présidente de la République, Tsai Ing-wen, dans un centre de commandement. Mais alors qu'elle est là pour échanger avec des militaires taïwanais, la voix qui soudain résonne dans la pièce est celle de l'armée chinoise. La présidente Tsai Ing-wen tente de faire bonne figure, mais cette visite ultra médiatisée vient bien d'être perturbée par la Chine. Au lendemain d'une telle affaire, le lieutenant-colonel avec qui nous avons rendez-vous sur le tarmac de la base de Hsinchu se montre assez peu loquace. Vous auriez pu imaginer, lorsque vous étiez tout jeune militaire, qu'un jour vous connaîtriez ce niveau de tension ? En avril dernier, on a tous été au courant de cette simulation d'attaque de la Chine continentale contre Taïwan, avec plus de 70 avions chinois qui ont violé l'espace aérien taïwanais. Vous étiez où, vous, à ce moment-là ?去年的佩洛西来台的情况也都是相同的。这对我们来讲已经都是训练常态。那我们在空中如果有遭遇到不明的情况影响的话，那我们就是按我们的正常训练流路去做执行，然后并且按照上级的指导去做一个飞行，然后去做一个应处跟作为的一个部分。 La grande muette made in Taiwan ne nous en dira pas plus. Alors pour mieux comprendre l'état de cette menace chinoise, nous rentrons à Taipei, direction l'INDSR, un think tank sur les questions de défense mis en place par le gouvernement de Tsai Ing-wen. Nous allons interroger un général, un familier des cartes. Ce que vous redoutez à très court terme, c'est une guerre militaire, c'est une guerre hybride ou c'est les deux à la fois ? Je pense que c'est une guerre hybride, parce que la Chine va utiliser différentes façons,包括 资讯, 包括 军事, 包括 灰色地带, 包括 武力威胁, 对 台湾. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez cette certitude que les Taïwanais, au fond, ils auraient la même motivation que les Ukrainiens à prendre les armes et aller se battre contre les Chinois ? 当然, 我们非常坚信, 我们所有 台湾, 我们自己国家的人, 会保护我们自己, 我们包括 我们所有的社会共识, 也都会非常坚定地相信, 我们自己可以防卫我们自己, 而且爱着我们的国家。 有一个很重要的原因, 乌克兰 还可以从坐火车到波兰或到其他国家。请问台湾，如果中国对我们的攻击，我们怎么样坐火车开车离开呢？我们只有是一个岛的国家，我们就是防卫自己。
全心全意的防卫自己。On voit bien que Taïwan, c'est un verrou stratégique dans un espace maritime que les Chinois appellent un lac américain. Parce qu'en effet, derrière, il y a des alliés américains. Il y a les Philippines, il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie, il y a le Japon. Mais est-ce que vous êtes certain que tous ces alliés-là, vous les aurez vraiment avec vous pour vous défendre contre la Chine de Xi Jinping ? Nous savons, dans les dernières nouvelles, les Américains dans les Philippines ont augmenté leur base militaire.甚至法国、加拿大、德国的飞机或者船舰到这个区块，对这个台湾都没有任何意见。台湾在做自我准备的时候是非常实际的。Les Taïwanais comptent sur leurs alliés et particulièrement sur la puissance américaine, en espérant que les Européens seraient eux aussi au rendez-vous. Taïwan, devenu un enjeu stratégique de la compétition Chine-États-Unis.Laquelle se joue particulièrement dans cette région du monde, sortons nos cartes. Depuis 1945 et l'effondrement de l'empire que les Japonais avaient imposé en Asie, ce sont bien les États-Unis qui jouent le rôle de gendarme des mers asiatiques. Washington contient depuis 1949 l'influence de la Chine communiste. Guerre froide, guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre d'Afghanistan...Chaque conflit a permis aux États-Unis d'édifier ou de renforcer sa double ceinture de base. L'une va de Yokosuka, siège de la 7e flotte, à Guam, possession américaine, jusqu'aux bases d'Australie. L'autre du Japon via Taïwan, les Philippines, Singapour, jusqu'en Asie centrale. Face à cette stratégie de containment américain,Pékin a imposé une modernisation à marche forcée de sa marine, dont on voit ici les principales bases, devenant ainsi la deuxième flotte mondiale. Cela a provoqué en réaction une course à l'armement régional, mais avec un budget militaire annuel qui équivaut à plus de deux fois celui de tous ses voisins réunis, Pékin est devenue la puissance régionale incontestable. Ainsi, sa puissance maritime est exponentielle.Le premier porte-avions chinois est opérationnel depuis 2011, un second depuis 2018, un troisième depuis 2022, deux ou trois autres encore d'ici 2035. Avec 350 navires en tout, la flotte chinoise veut verrouiller les mers de Chine pour en faire des lacs chinois et repousser l'influence américaine au-delà de cette ligne qui passe par Guam et par les îles Mariannes, c'est-à-dire loin, en haute mer.En mer de Chine, Pékin cherche à s'approprier des zones qui sont revendiquées par le Japon, les Philippines, la Malaisie, Brunei et le Vietnam. Exemple, presque à mi-chemin entre l'île d'Okinawa et les côtes chinoises, les îles Senkaku ou Diaoyu en chinois, sous administration japonaise, provoquent régulièrement des incidents entre les flottes des deux pays.Surtout depuis qu'en 2012, Tokyo a racheté à un homme d'affaires japonais, les Chinois disent nationalisé, trois de ses îlots. Idem pour les 180 îlots des Spratleys, au large des Philippines. Une quarantaine sont émergés à marée basse. Le Vietnam en occupe 20, les Philippines 9, la Malaisie 5, Taïwan 2. La Chine en a 7, de plus en plus militarisés.Et les revendiquent tous. Au nord des Spratleys, la Chine a annexé l'atoll de Scarborough en 2012, malgré les protestations des Philippines et de la Cour permanente d'arbitrage. Dans les Paracels, même territorialisation agressive de Pékin depuis 2010, cette fois aux dépens du Vietnam et de ses pêcheurs. La Chine qui lorgne aussi sur les îles Pratas, parc national appartenant à Taïwan.Nous avons quitté Taipei, la capitale taïwanaise, vers Kaohsiung, la troisième plus grosse ville de l'île. C'est l'heure pour nous de prendre la mer. Ici, on est au bord du détroit de Formose, dans l'un des plus gros ports commerciaux du monde. On y voit un autre visage de Taïwan, un carrefour stratégique pour le commerce mondialisé. Dans ce port, on regarde la mondialisation à l'œil nu.Avec à perte de vue des porte-containers venus du monde entier, et notamment de Chine, resté le premier partenaire commercial des Taïwanais, en dépit des tensions politiques.
Alors, par exemple, là, il y a un bateau qu'on voit arriver derrière vous. Donc là, sur votre écran, vous avez toutes les informations qui le concernent. Ce bateau est de Chine, de Guangdong Yantian. Le dernier port est de Chine, de Guangdong Yantian. Le prochain port est de Jilong. Il y a des AIS de l'info. Nous pouvons, sur ce bateau, sur le point de l'information, nous pouvons déterminer son port. 它傳播的訊息，然後好。 Et vous n'avez aucune information sur les marchandises que transporte ce bateau? 基本上我們就只能知道說它船上是載貨櫃的還是說載那個散雜貨的這樣子。那實際貨物的內容我們是無法知道的。對。 À Kaohsiung, seul compte la fluidité des échanges. Et le directeur du port avec qui nous avons maintenant rendez-vous ne veut pas évoquer les tensions sino-taïwanaises. Ici, on veut croire que les interdépendances économiques entre Pékin et Taipei l'emporteront toujours. Bonjour Monsieur Chen Zhonglong, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le port de Kaohsiung a pris une telle importance dans la mondialisation ?那还有就是南北向航线，包括东北亚到东南亚，好，一直到纽澳，这边哦都有很多船只在这边航行，啊，那台湾海峡它本身就是一个很重要的一个地方，那所以说这边本来就会吸引很多的船在经过，那加上台湾本身又提供一个良好的一个转口的一个条件，那所以说很多航线都会聚集在台湾。 Je crois que votre premier partenaire commercial aujourd'hui, c'est la Chine avec Hong Kong. Ensuite, c'est l'ASEAN, c'est-à-dire les pays d'Asie du Sud-Est. Et ensuite, les États-Unis. C'est bien ça aujourd'hui, vos principaux partenaires commerciaux ? Est-ce que faire du commerce aujourd'hui avec la Chine continentale et Hong Kong, c'est facile ? Est-ce qu'on peut dire alors que commercialement c'est facile avec la Chine continentale et que c'est politiquement que les problèmes commencent ? 是可以这样子来讲，但是我们在港口从事这个行业的话，我们通常都是把政治跟经济先暂时分开来看了。 做生意归做生意，那政治的话是另外一个层次的事情。Business as usual. Yes. Ici, sur l'une des artères les plus fréquentées au monde par les navires marchands, on veut croire que les conflits entre États ne déstabiliseront pas les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour le secteur stratégique des semi-conducteurs. Transportés généralement par avion, ils sont une sorte d'assurance vie pour Taïwan. Voyons pourquoi. C'est un marché stratégique, les puces électroniques qui sont au cœur de toutes les technologies actuelles. Elles sont indispensables à la fabrication de nos smartphones, ordinateurs, voitures électriques, et elles sont aussi essentielles à l'industrie de l'armement. Taïwan est donc, on l'a dit, le leader mondial sur ces semi-conducteurs. Et elle détient même un quasi-monopole sur les microprocesseurs les plus petits et donc les plus avancés. Une arme économique et un intérêt stratégique. En effet, dans le cadre de la guerre commerciale et technologique qu'ils livrent à la Chine, les États-Unis sont amenés à soigner tout particulièrement leur alliance avec Taïwan. À elle seule, la société TSMC, basée à Hsinchu, produit près d'un quart des semi-conducteurs vendus dans le monde et fournit des géants américains de la tech comme Nvidia, Qualcomm ou encore Apple. Mais en dépit de cet axe Taipei-Washington, l'administration Trump n'a pas hésité à imposer des sanctions aux entreprises taïwanaises fournissant des puces à des clients chinois. Trump qui demandera également le déplacement d'une partie de la production de TSMC en Arizona, non loin d'une usine Intel, géant du secteur avec Qualcomm et Broadcom. Cette usine, qui doit permettre aux États-Unis de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Asie, devrait entrer en service à l'horizon 2024 avec la fabrication de semi-conducteurs de dernière génération, dits 3 nanomètres. Nous rentrons de nuit à Taipei. Dans un café de la capitale, nous attend une jeune activiste hongkongaise qui s'est exilée à Taïwan, craignant pour sa sécurité.
Hong Kong, à moins de 2 heures d'avion de Taipei, qui a vécu ce que les Taïwanais redoutent de vivre un jour. Voyons pourquoi. 1984, Deng Xiaoping et Margaret Thatcher se rencontrent pour parler de Hong Kong. Thatcher s'engage à rendre sa souveraineté à l'ancienne colonie britannique en échange de garanties. Hong Kong conservera après 1997 une économie capitaliste dotée d'un cadre politique libéral pour une durée d'au moins 50 ans. C'est le sens de la fameuse formule « un pays, deux systèmes ». 2017, Xi Jinping accélère l'absorption de Hong Kong avec la grande baie région Guangdong-Hong Kong-Macao. Une région grande comme la Suisse, au PIB équivalent à celui de la Corée du Sud, et interconnectée par des routes et des lignes de chemin de fer à grande vitesse. Les Hongkongais s'inquiètent de cette absorption dans une Chine autoritaire. Sur place, en effet, le bureau de liaison chinois, véritable gouvernement parallèle, permet déjà à Pékin de resserrer progressivement son étau sur Hong Kong. En 2023, on peut considérer que le concept « un pays, deux systèmes » a vécu. Hong Kong est désormais une ville chinoise presque comme une autre. Celle que nous nommerons La Fée est une activiste hongkongaise réfugiée à Taipei. Elle nous raconte ce que signifie la menace chinoise. Merci de nous recevoir ici. Vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi vous prenez autant de précautions pour nous parler ? Vous pouvez rapidement nous rappeler à quel moment Hong Kong est devenu dangereux pour des gens comme vous. Vous avez l'impression de vivre normalement à Taïwan ou pas tout à fait quand même ? Est-ce qu'aujourd'hui que vous avez trouvé refuge à Taïwan, vous avez peur que Taïwan connaisse la même histoire que Hong Kong ? Sans doute faut-il venir de Hong Kong pour comprendre la nature exacte de la menace chinoise qui pèse désormais aussi sur les Taïwanais. Menace militaire, économique, informationnelle, Pékin finançant par exemple certains médias pour qu'ils portent un discours pro-Chine. Au moment de partir, comme un sentiment de contraste entre la douceur de vivre et l'ombre qui plane sur l'avenir de Taïwan. Ainsi s'achève notre voyage taïwanais à Taipei, au bord de la rivière Tam Sui qui se jette dans le détroit de Formose. Taïwan, on l'a vu, au cœur d'enjeux géostratégiques majeurs du 21e siècle et notamment l'enjeu démocratique auquel les Taïwanais tiennent viscéralement. Mais jusqu'où devront-ils aller pour le défendre ?
En attendant de pouvoir répondre à cette question, une seule certitude, la majorité des Taïwanais que nous avons rencontrés ici, qu'ils soient politiques, militaires, acteurs économiques ou simples citoyens, nous disent la même chose. À ce stade, ils n'ont pas d'autre choix que de rester attachés au statu quo, c'est-à-dire ni unification avec la Chine, ni indépendance, un fragile compromis.